qui m'aimait pas beaucoup. Va faire mal. Sentir ça. Rapport du général Alfonso Knox à la mire. Et puis merde, je dirais pas le reste. Toujours aucun nouvel ordre. Alors que j'ai achevé la réoccupation des avant-postes de la Lance Écarlate, qui contrôle le réseau routier afin de sécuriser nos lignes de ravitaillement et l'accès aux dépôts. J'ai également distribué à nos soldats le nouvel équipement à économie d'énergie, réduisant notre...
Quoi, ça t'a pas fait plaisir? Amiral, j'ai dû vous manquer de respect dans une autre vie. Et j'imagine que vous prenez votre revanche en m'observant perdre pied ici. J'ai décodé votre briefing de mission, écrit au marqueur magique sur un gâteau sec. Il dit « Les chats, c'est trop lol ». J'ai travaillé toute ma vie pour ce poste. Je vous adresse donc ce message écho pour vous informer que je compte conduire les opérations de mon propre chef, en ignorant tout futur message. Adieu. Vous devriez voir le Docteur Z et lui parler d'engorge. Il a beau ne pas être docteur, il en prescrit à tout le monde. Question de passer par l'entrée principale du dépôt. Le code que vous avez est pour l'entrée de service. Prudence. Terminé. Mal.
sentir ça. Plaisir. Qui m'aimait pas beaucoup. Va faire mal. Attendez-vous ! Ça doit faire mal, non ? Tu vas le sentir, ça. Boum ! Je sais que j'avais dit que je vous enverrais plus de rapports, espèce d'abruti. Mais j'ai pensé que vous voudriez savoir que l'ex-agent Athéna a travaillé avec le carteron Dan Batté, qui a vaincu notre commandant Albinus Boulimique. Vous vous souvenez d'Athéna, non? C'est elle qui avait supprimé le vice-président de Dal pour nous à l'époque. Maintenant que j'y pense, c'était avant votre naissance. C'est pas croyable. Qu'est-ce que je fous ici? Bref, je voulais vous dire que je compte tous les descendre. Oh! Et je démissionne. À la fin de cette mission, je quitte la lance écarlate, au risque d'être condamné à mort. Mais les cadres qui changent vos couches seraient pas foutus de trouver leur clé de vaisseau dans leur poche. Alors je crois pas que vous me poursuivrez de l'autre côté de Grofit 4. Bref, à jamais, guignol. Ah.
range ta bagnole. Merci de toute cette poussière. C'est parti! La marche à pied, c'est surfait.